Je rêve d'un nouveau monde. Un nouveau monde de douceur, de paix, d'amour. Un monde où les humains vivent en harmonie, où chacun est libre d'être absolument celui qu'il a envie d'être, libre d'incarner sa propre lumière. Je rêve d'un monde d'abondance, où la plus grande valeur est l'amour. Je rêve d'un monde où l'argent ne domine pas, où chaque être est respecté, aimé, chéri. Je rêve de doux moments partagés autour du feu, d'une rigolade, de sourires, loin du virtuel qui nous happe bien trop souvent. Je rêve d'un monde où les humains auront compris que la seule chose qu'ils doivent suivre, c'est leur propre lumière intérieure, que rien ni personne ne viendra les sauver, faire les choses à leur place. Eux seuls ont ce pouvoir. Je rêve d'un monde où les humains arrêtent de blâmer l'autre pour son propre malheur. Nous sommes les seuls responsables de nos émotions, de notre ressenti. Je rêve d'un monde où l'on se soutiendra les uns les autres et où la haine, la violence et l'arrogance n'ont plus leur place. Je rêve d'un monde où la nature est pleinement respectée, que l'on travaille en collaboration avec elle et non plus contre elle. Je rêve d'un monde où plus un seul animal ne sera abattu, maltraité, enfermé, utilisé pour notre simple plaisir. Je rêve d'un réel partage autour de chaque repas, sans écran pour nous distraire, des moments simples, des moments doux, précieux, sacrés. Je rêve que nos enfants, nos petits-enfants et même nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants puissent se réveiller chaque matin avec le chant des oiseaux, qu'ils puissent observer les étoiles la nuit tombée, qu'ils puissent faire des bonhommes de neige le jour de Noël, qu'ils puissent croquer dans un fruit plein de couleurs, plein de vie. Je rêve d'un peuple qui s'éveille à la véritable beauté, au véritable sens de la vie. Je rêve qu'en allumant notre télé, ce sont des choses utiles que nous pourrons voir. De la méditation avant l'heure du dîner, des astuces pour prendre soin de nous, du libre partage pour ouvrir les esprits. Je rêve sincèrement de ce nouveau monde. Tu vas sûrement penser que tout ça c'est utopique. Peut-être que tu as raison. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes la dernière génération à pouvoir tout changer et que nous avons l'avenir de notre humanité entre les mains. Alors ferme les yeux, reconnecte-toi à ta propre lumière et n'oublie jamais cette force de la vie qui palpite en toi. Je pars pour le nouveau monde. Viens-tu m'y rejoindre ?